富、名声、力、この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。Le Corazon joue à The Elder Scrolls. Ça n'a pas duré. Ça n'a Comment pas tu sais du bas. Ah, sur que... Steam. Oui, sur Steam, notification Steam. Je me suis dit, putain, je suis hors ligne. Toi, t'as pris quoi comme alliance? Vu que j'avais pas le choix, j'ai fait quoi? J'ai fait Akajit, donc. Donc t'as pris domaine. Ouais. Tu dois... t'aimes pas, hein? Je crois, quoi? Je crois que t'aimes pas le domaine, toi. Si, j'aime bien, c'est l'alliance que j'aime pas. Ah. Bah, l'alliance est stylée, mais le début tout le long de la Glénambrie, c'est que sinistre, des marécages, etc. Donc c'est pas ouf quoi. Oh, le chargement de Tesso est horrible, c'est très long. Et là, la cagette que j'ai créée, c'est Gripoil. Gripoil. En référence à Gribouille, la chatte à. La chatte à Dudu. La chatte à Machéli. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. Toute insinuation sexuelle est à éviter. À la de chatte. Mais en même temps, toi, tu rigoles direct dès que tu dis un truc comme ça. J'aurais dit la chatte en mangeant, t'aurais pété une barre aussi. Pardon. Bah non, mais. Non, ça c'est la mienne. Ça c'est la tienne, ouais, bah ouais. Ça c'est pas Gribouille, c'est pas la mienne. Ça c'est la hélice. Non, moi je l'appelle Dobby. Qui? La cocha Amandine. Sérieux? Bah oui. Comme ça tu donnes une chaussette et elle est libre. Bah oui, justement, c'est avec la capote c'est la chaussette, du coup, bah chaussette dans Dobby, Dobby libre. Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Dobby libre. Oh merde, je vais engueuler du coup. Tu vas voir ma chatte, toi. Et voilà, comment bien commencer mon petit live. Bien putain, moi j'ai pas ce message là. Ça. Putain, attends. Ah bah, elle a qu'à suivre mon live en même temps, hein, Amandine. Ça fait longtemps qu'elle est pas mis mon live. Bah ouais. Hâte d'être dans 10 ans pour pouvoir enfin jouer à Summer 7. Ils font ça parce que c'était la dernière extension qu'ils ont donnée gratuitement. C'était la cité impériale. C'était il y a 2-3 ans déjà. Je dirais peut-être 2 ans minimum. Donc ouais, si à ce rythme-là je continue à jouer au jeu, ben j'aurai Elsewhere, le Nord Elsewhere, dans 6-7 ans. Vous avez l'esprit mal placé, mais non. Comment ça? Nous? Non, pas du tout. Nous sommes innocents. On a parlé de chat, hein. C'est ta chatte, hein. Non, on est les personnes les plus innocentes de ce monde. Ouais, venant de toi, c'est un peu chaud quand même. Comment fait... Non mais là il y a Satan qui se retourne sur sa chaise là. Quand t'as dit ça. Bah, Satan je l'emmerde. Bon bah ça c'est sûr, toi tu t'en fous d'aller en enfer. Ouais les couilles, il y a un qui existe. Enfin un païen, tu vois, c'est bien les païens. Odin, ça c'est plus stylé ça. J'ai déjà du mal à croire en moi, alors croire en quelque chose qui n'existe pas. Tu veux que je t'envoie une psy? J'ai une bonne psy pour toi. Non c'est bon. Bah là ce sera ton tour de passer au psy. Non. Chez le psy. Ouais, chez le psy. Oh, puis... Chez. Docteur, oula, c'est comme ça qu'on a fait apprendre. Ah bon? Oui, vas-y, chez le docteur. Oh putain, vas-y donc, quel apprentissage. Attends, laisse-moi regarder mes graphismes, toi, te moquer. Mais bon, on va partir sur Gripoil, jouer. Le magnifique Khajiit, donc une grosse chatte, quoi. Une grande. Putain, je sais que je vais te provoquer comme ça toute la soirée. Et encore, je l'ai pas appelé Gribou, tu vois, j'ai fait une référence en fonction de mots, comment j'appelle ça, chatte. Ah voilà, comment se vit la soirée, hein. Dis donc, il n'y avait même pas 10 minutes de live, on est déjà sur des blagues de bigard là. J'ai l'impression d'être en Wonky Studio, quoi, putain. Bah c'est parfait, si tu crois qu'on est chez Wonky Studio, moi n'oublie pas, je suis Thomas et toi t'es Damien. C'est plutôt l'inverse, non. Nan, souviens-toi le live et la vidéo The Witcher 3. Plus t'es racide et moi je suis là que je joue.
Speedrun, moi je rote et je pète en live. N'oublie pas, t'avais dit moi je suis Damien, je suis le gros porc qui mange tout le temps. Toi t'es Thomas, t'as un et c'est, je te regarde jouer. N'oublie pas hein. Oui mais Thomas il... Bah, c'est Thomas qui regarde jouer parfois. Non. Et c'est lui qui bouffe comme un porc aussi. Non, c'est Damien. Ah Thomas le il fait que de chercher de la bouffe. Damien il a toujours à côté de lui sa bouffe. Ah oui c'est ça. C'est comme toi. Eh bah écoute, c'est ce que j'ai à côté de moi, j'ai les chocolats Jeff de Bruges offert par mes patrons. Eh, en plus de ça, c'est mon patron qui m'a ramené chez moi ce soir. Avec le chien? C'était quel chien? Non, le chien c'est demain. Mais c'était son chien, c'est son chien que tu gardes? Oui. Putain, c'est un quoi déjà? C'est un bâtard. Oh, sois plus gentil quand même. C'est vrai que le problème c'est que dit comme ça. Ouais, sois plus gentil que ton patron quand même. C'est un bâtard, et, hey, il te paye, il t'offre des chocolats, il te dépose son chien horrible. Parce qu'il a confiance en toi, et toi tu dis, bah c'est un bâtard, ouais, bah vas-y un peu de respect. Alors, on va faire un vote dans le chat. Coucou ma puce. Attends, qui est Elise? Qui vote pour que j'offre Tesso à John et qu'on se fasse des meilleurs lives ensemble? Elise ne remarquera pas dans le chat. Donc il y a que Amandine qui va voter, elle va dire oui. Ah mais en moi ça fera une voix. Et moi je mets droit de veto moi. Je vote oui perso ça pourrait être que... Mais non mais t'abuses aussi, toi tu comptes pas toi. Tu comptes pas avec tes conneries là. Par hasard là il y a 8 personnes je suis qui neutre. Regardent mon live maintenant. Oh no. Merci. Un vote blanc, ça c'est bien ça. Allez là, le jeu, on en a marre. Pourquoi ça marche pas? C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est long. J'avais la même quand c'était l'autre PC. Ah bon? Pourtant là j'ai mis en moyenne, hein. J'ai mis en... Hot, moi, je crois que j'ai mis en moyenne la qualité graphique, donc ça passe. Ah, hein. Oh, Carline est connectée sur... Ah, ça y est, Amandine elle va aller streamer sur Dofus. Elle va faire la chaîne live de Dofus. Peut-être elle marchera mieux que moi. C'est large moyen que ça marche mieux que moi là. Je joue avec Alexis, Gripoil et Allen. Ah, t'as que des mouches, hein, aussi. C'est vrai. Bah oui, j'ai pris un Khajiit. Ouais, mais tu regardes les noms des Khajiits, c'est plutôt Ryajin ou un truc comme ça, tu vois. Oh, t'as déjà critiqué Cheveux Doux sur mon Cheveux Doux. Non, c'est une argonienne. Attendez, vous. Un serpent, donc même pas, c'est un lézard, quoi, pratiquement. Un lézard avec des cheveux. Oui, déjà, son lézard n'a pas de cheveux. Oui, mais son lézard n'a pas de cheveux. Savoir, elles ont jamais vu d'argonien. Il l'a appelé Cheveux Doux. Mais ça c'est a des putains d'écailles. Mais ça non, c'est des cheveux. Il y a des cheveux, il y a des plumes, il y a des plumes. Non. Bon, après, j'ai envie de te dire, les chats dans la vraie vie, ils ont une couleur, ça s'appelle écailles de tortue, je t'en parle. Hein? Oui, t'as des chats, c'est. T'as une race, c'est caille de tortue. Y'a un mec, il a été bourré, il a fait ouais, ça c'est une tortue, moi je voulais. Écoute, j'ai envie de te dire, y'a un mec qui était bourré, il est sorti du bar, il y avait un chien errant, il a fait ça, je vais l'appeler bâtard. Bah, écaille de tortue, je sais plus si c'est la couleur ou si c'est une race. Je connais pas. Dans tous les cas, j'ai jamais compris pourquoi t'appelais ça une écaille de tortue. C'est la couleur. Bah, ça oui. Fait des taches, ça fait des taches. Mais pas. Ah bah, du coup, c'est la couleur. C'est comme les couleurs de peinture de base, hein. T'as des noms de peinture, tu sais même pas d'où ça vient. Écaille d'œuf. Tu vas à 4 murs, tu vas sur le long mur où il y a toutes les peintures, tu vas chercher, tu vas jouer. Tu pourrais faire un jeu avec ça. Devinez le nom de cette peinture. Écaille d'œuf, bonne réponse. Mais sinon, la plupart non. Quoi. Quand tu vas à 4 murs et tu cherches une peinture, tu prends du vert, du rouge, voilà. Prends pas un passé de Bordeaux sublimé de rouge écarlate. Non, mais ferme ta gueule un peu. Oh, c'est bon, vraiment. Tu prends du rouge, tu prends de rouge. Le rouge, c'est la passion. Tu prends du jaune, tu prends du jaune. Le jaune, je sais pas c'est quoi. Je sais que le vert, c'est la zénitude, un truc comme ça. On passe à ce RF chargement. Au moins, ça sera live chargement, c'est pas mal. Chargement simulator, n'hésitez pas à nous rejoindre. Jaune, c'est la joie. Jaune cocu. Ouais. C'est pas la même chose, hein. Ah, ouais, bon, on est. C'est pas la même chose encore. On n'est pas sur les mêmes trucs que jaune coq à jaune de la chou. Bah c'est quoi celui-ci, t'as la con. Ah oui, d'accord, c'est ce que je vois. Signification positive, signification négative. Anxiété, tromperie, lâcheté, trahison, orgueil, mensonge. Oula, y'a beaucoup trop de trucs négatifs sur le jaune. Oh putain. Désolé chérie, mais ta couleur préférée c'est le jaune là. Positif, confiance, chaleur, jeunesse, intelligence, vivacité, puissance, fête, enthousiasme. Ego, et ils ont passé de mode pour décrire, ils ont mis 3 petits points. Alors, ça fait moi ma couleur préférée, c'est le rouge. Toi, c'est symbole passion, de la sûr. Vie, de la puissance et de la passion. Alors, Amandine, ma chérie, t'es prête? Tu vas savoir avec quoi tu vas vivre. Alors, passion, ça me traduit complètement. Passion, désir, sensualité, amour.
Vitesse, force, énergie, dynamisme, chaleur, joie. En fait, chaleur, il y est partout. Par contre, on passe au négatif. Sang, colère, violence, danger, interdiction, agressivité. En même temps, t'as un sens interdit, mon gars. Faut que je te rappelle. T'as un panneau sens interdit à ta couleur. Toi, c'est, côté... ah, toi, c'est le bleu. Ouais, bleu foncé. La couleur bleue est le symbole de la fidélité, de la confiance et de la communication. Confiance, oui. Communication, top pro. Si, communication, si, maintenant. Ah, bah ça va. Bah, surtout avec Elise, quoi. Après, avec toi, ça va aussi. Alors, j'ai... signification positive. Réflexion, intelligence, confiance, froid. Hein, bah... Moins froid, oui. Rêve, apaisement, tranquillité, propreté, fraîcheur, loyauté, sagesse, liberté, etc. etc. Négatif. Oula, sale bâtard, connard. Oula, je crois qu'il y a du lourd. Attends, il y a du lourd. Pas prêt, je crois. Le premier mot. Bâtard. Sédatif. Sédatif. Ça veut dire quoi ça? Quand t'endors quelqu'un. Ah, quand tu fais des papouilles, ouais. Mélancolie, dépression, doute, obscurité. Ah, ça c'est moi tout ça. Bon, au final, John à la fin de la soirée, il va se pendre. Non, mais en vrai, rigole pas, mais je suis pas dépressif, mais bon, pessimiste, oui. Mais plutôt chaud pourtant. Ah, écoute, allez, sur sa lancée. Ah, écoute, j'imagine pas. Hein. Quand je vais chez lui aussi, il se passe des choses. Il est chaud quand même, comme je sais pas quoi. Ah, quand il fait froid, je le réchauffe. Tu l'as pas vu se réchauffer avec son petit doudou. Ah non, on l'a pas encore vu, Iggy. Ah, t'as pas encore vu Iggy. Alors, laisse-moi te dire que son doudou, il le sert, mais quand on a joué à un jeu de voir la dernière fois, j'ai cru qu'il allait lui tordre la tête. Voilà. Je me souviens plus qu'il ressemblait à ça. Bah, il ressemble à un chien. Il ressemble à toi, quoi. C'est le pire, c'est que je crois. Comment faire taire un mec en 2 secondes de dire que c'est un gros chien? Le big dog Roman Reigns. Au début je croyais que c'était un ours au début. Non, c'est moi l'ours. Ça c'est différent, je suis l'ours à Elise. C'est ça qui est différent. Moi franchement, elle fera comme avec mes vêtements, elle va le prendre dans ses bras, ça c'est sûr. Moi elle m'a volé 2 vêtements à moi. Tu les as jamais retrouvés? Elle m'a fait chier pour que je lui en donne, je lui en ai donné. Du coup elle a 3 vêtements en tout chez 2 mois chez elle. 4. Un sweat, 2 maillots. Et mon ancienne écharpe. Le problème c'est que si moi ça me vole des affaires, je m'en retrouverai à poil moi. Un peu me les piquer pour une journée, mais si c'est pour plus longtemps, moi j'ai plus d'habits moi après. Ah, c'est parce que elle veut que je me retrouve à poil qu'elle me pique les affaires. C'est pour ça. Y a pas un truc que tu peux dire, tu peux me le rendre après qu'on ait fini notre affaire? Non. Bah après qu'on ait fini notre affaire, je sais bien que ça tombe bien, je retrouve plus mon maillot. Alors ça va, la décence de me laisser mon slip et mon pantalon, par contre le maillot je le retrouve pas. Imagine, ce serait l'inverse. C'est elle qui revient avec ton boxer. Tu vois là, t'as ton maillot, mais t'as plus ton boxer. Il faut pas dévoiler mes plans. Ouais, mais on y peut rien, vous êtes prévisible aussi. On en parle des plans que moi tu me dévoiles à chaque fois que tu crois qu'il y a des plans à 24. Attends, tu sais quoi, on va parler en privé là, Amandine. Là, t'arrêtes tes sauts, tu désinstalles et puis je te le fais. Ouais, mais restaller, mettre 3, 5, 6 heures à le restaller. Oui, mais pour l'avoir définitivement. Ouais, allez, go faire ça quoi. Déjà, ça fait que tu me le payes là, connard. Ça, deux dernières semaines, 2 heures. Donc je pourrais même pas me faire rembourser, c'est ça le pire. Si j'avais payé le jeu, j'aurais pas pu me faire rembourser. On n'est pas en ami, je crois. Hein. Normalement, si. On est en ami. On est en ami. Oui. C'est genre, on a une amitié entre nous. Je connais pas. 546, regarde, avec 3 heures. Regardez comment il se lave jamais. Comment ça? Regardez le nombre. 546 heures en tout, dernière utilisation. Il se lave jamais. Putain, je te déteste, Amandine. Je te déteste, putain. Je te l'ai. J'adore aller. Elle a trouvé un archi-monstre. Ah. Sauf qu'elle n'a pas les pierres pour. Jamais ça avait du cœur, je te l'ai. If you wanted to make yourself more useful, you could try wearing something a little more fun and festive, or pretend to be a ghost to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just... Yoimiya, they've already run off. Huh? Hey!